Rebonsoir, ou rebonjour, ou je sais pas. Bref, on se retrouve donc pour le normalement quatrième épisode. Donc Dive Swap, hein, toujours. Et basiquement, on est là. Donc, on doit utiliser les oiseaux solitaires pour porter les billes. Allez. Allez, pipi. Aïe. Ouch. Ah. Secours. Je m'excuse pour ce désastre tragique. Et juste pour revenir, pour décrocher d'un désastre tragique incroyable. Est-ce que tu as encore perdu quelque chose? Bon, là il est triste, hein. D'accord, est-ce que tu es sûr que tu vas. Over and out, Frike. Putain, c'est son préféré en plus. Putain, les rip, hein. Prenez encore une autre bourse du machin et vous la remplissez avec une autre bille rouge et une autre green, une autre vert, une autre bille verte. Putain, rip, hein. Rip, Frike. Salo! Est-ce que tu vas bien? Trahison! Abandon! Le plus grand lâche et salopio! Ouais, d'accord. Je peux même pas communiquer à quel point je suis outré! Je vais sûrement saboter la mission si mon si mes émotions ne sont pas su si je ne supprime pas mes émotions. Arrive. Burnout. Vos mains sont définitivement ne tremblent définitivement pas. Ne se sont définitivement pas en train de trembler alors que vous êtes en train de retirer encore deux autres billes de leur petite cachette de leur compartiment sécurisé et douillé dans le. Dans le, comment ça s'appelle, le drawer, c'est le tiroir. Et vous les enfoncez dans les. Dans les profondeurs de la bourse. La bouche, dans les profondeurs de la bouche. Patiente et en cuir de la bourse, ouais. Bref. Allez. La musique. Allez. Télé. Oh, cette caméra. Caméra embarquée. Yeah. Succès. Ah. Byers. Mon fils. Ma bataille. Tellement si courageux. Si... Ah. Si véritable. Si bon. Oh, stop. Est-ce que t'es juste en train de perdre la boule là? Ça pourrait être un soulagement après des années de. Après des années où ça commence à monter, mais. Ouais, t'auras peut-être toujours une meilleure nuit, hein. Mission accomplie! D'ailleurs, c'est le champion des champions! Il t'attend dans la cuisine! Pourquoi? De quoi pour. What? Ah oui, Bayer, il a les billes pour avoir la clé, quoi. Ah d'accord, bon bah je pense que ça fait du sens. Ok, nouvelles actions. Bayer, c'est en train de se... Il est menacé. Alors, est-ce que tu peux dépêcher quoi oh, ok, d'accord, je vais. Dépêche-toi, Joy, il est tout ce que j'ai, encore, il est... il est tout ce que j'ai. Ok, d'accord, c'est bon. On va sauver Bayer. Bayer. Chevalier sans peur et sans reproche. Je suis pas drôle,
Ah, la vidéo qui se lance, mais putain, c'est pour ça, bah, c'était pas. Alors. Ouais. S'en bat les couilles, frère. Eh, hey, toi. Mais s'en bat les couilles. Ah non hein. Mais non mais connard. Allez vas-y. Je peux le frapper. Pas de bourré. Pas de bourré. Putain mais pas la blague. S'en bat les couilles. Je me souviens plus exactement comment on fait les jeux de base. Ah voilà c'est bon. Ok. Clac 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 clac. Voilà. Alors. Allez vas-y, eh oh, je suis là. Et maintenant, on lui envoie ça dans la gueule. Spice to beat you. La mam. Ouais. Alors. Ah, joué, merci pour ton meurtre assaisonné tactiquement brillant. Mais d'ailleurs ça les récompense, je répète, d'ailleurs ça les récompense, merci. Que tu sais comment je pourrais le faire descendre. Il a l'air plutôt terrifié. Négatif, Bayers seulement. Syndrome post-traumatique. Devrais répondre si tu l'attires. Comment tu tires un pigeon. On dirait un setup. Enfin, un setup pour une énigme, peut-être une blague. Au revoir, Jude. Run out. Wouah! Le crouton! Ça se voit, je connais le jeu quand même. Alors, tout ce que vous pouvez prendre de cette armoire de merde, enfin c'est pas une armoire mais j'ai oublié le nom. Il y a un cracker de merde. C'est traduit grossièrement. Attends. On va prendre le cracker, on va lui montrer. Oh, succès. Ce petit gars, Bayers, si vous pensez. Ouais, vous êtes presque sûr. C'est Bayers. Il gobe le cracker tout pourri là. Alors que vous le rangez dans votre poche. Il y a un petit pochon et une petite bourse autour de son cou. Et vous supposez qu'il faudra peut-être lui laisser en train que vous savez vous essayez de vous trouver ce que vous êtes supposé faire avec lui. Ok, j'ai les billes. Est-ce que tu veux que je renvoie le pigeon? Non. Désolé, je voulais pas crier mais j'étais juste je suis juste inquiet, est-ce que protège Bayers, protège les chances, enfin protège Bayers, ses chances de survie de survivre au voyage de retour sont faibles. Ok. Ça a l'air quand même pas mal, pas bien là-bas.
Affirmatif. C'est juste, bah, je vais utiliser les billes. Enfin, voilà quoi. Je vais te faire savoir comment ça se déroule. Ok, bonne chance, ça. Bonne chance, Sorette. Sorette. Eh, je suis producteur ou quoi? Bon, je pense que je l'ai bien assez répété. Alors, du coup, où je fous les billes? D'ailleurs, c'est le cerf. C'est beau et tragique. Comme quelque chose de vos romans pour jeunes adultes, où il y a des... Où les lapins sont des vampires et les souris des chevaliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous enlevez prudemment le... Vous enlevez prudemment le... la bourse de billes, la bourse avec les billes de son cou, et croyez-le nous, vous mettez les... placez les billes dans les orbites vides. Et vous balancez la bourse par-dessus bord. Voilà, quelle soirée. Ah là là, l'amour de votre père pour les globes ne connaît aucune limite, mais vous ne reconnaissez aucun continent sur celui-ci. Alors, vous donnera une meilleure idée de ce que vous serez regardé si vous pouvez lire tous ces labels, ces inscriptions en bordel. La seule chose dont vous pouvez donner un sens, c'est cette remarque en X. Peut-être un trésor. Spin. Oh, la clé. Je prends la clé. Et vous avez presque vous assumez être la clé de la grenier. De la grenier, ouais. Putain, j'ai beaucoup de stuff, hein. J'ai beaucoup de stuff. J'ai la clé. Je me barre au grenier. Oui, alors... reste prudent, c'est sûrement pas simple. Qu'est-ce que tu dis, rien de tout ça est si simple. C'est le bordel. Je suis traducteur. Alors, j'ai vu des... plein de serpents pas bien, pas contents. Oh merde. Alors, je vais essayer de te soutenir si possible. Reste sur tes gardes, Sorette. Allez, toujours, frangin. Allez. Burnout. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a eu un texte affiché. Vite, il faut leur échapper. Oh la vache. J'aime bien cet écran. Vite. Attends, oh. Putain, je me suis fait casser la gueule. J'ai rien fait. Secours. Joe, il vient de se prendre une grosse patate, hein. Et rien à dire à propos de ces monstres terrifiants, géants, affamés. Peut-être que quelqu'un d'autre pour vous aider. Au secours, allez vite. Pain, 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 pain. Ok, alors il faut faire retourner ce... ce que je fais bien, il faut faire retourner celui-là. Eh oh! Voilà! Pain, 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 pain
Vite, il faut encore l'éclairer. Ça a bien marché. Hé, hey, Connor. Ah, il vient de mettre une grosse patate. En vrai, gros combat, hein, c'est... C'est pas vraiment un combat genre... Tiens, mais c'est assez rigolo quand même. Not too late. Ah, oh non. Oh, y'a un truc. Ouga ouga ouga. C'est un rituel, c'est le rituel de la flamme. Aïe. Ok, je me barre. On se casse. Allez hop, on se barre. Vite, la clé. Vite, vite, vite. On ferme. Oups. La clé. Joey, s'il te plaît. Ton statut, s'il te plaît. Joey, s'il te plaît. Elle, bonjour, c'est Jude. Jude. Joey, est-ce que tu vas bien? Joey, please, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je suis dans le grenier. Ah, je suis passé un poil de cul, quand même. Ouf. En fait, je me suis enfermé, car j'ai laissé tomber la clé. Ouais, bah, t'es plus en sécurité dans le grenier que dans le reste de la maison. Hein. La clé, ça peut être récupéré plus tard. Ouais, je pense que t'as raison, ouais. La façon dont ils sont rentrés par la fenêtre du salon et la porte d'entrée. Ouais, si j'étais resté dans ma chambre, c'était mort. Ils nous ont séparés avec leur avant-garde. Ils ont déstabilisé l'électricité. Ils ont niqué les défenses. Niqué la batterie. Et ils nous ont essayé d'entrer avec par plusieurs endroits. Ah là là, les tactiques de siège, hein. Mais tu t'y connais? Ah, je savais pas que tu t'y connaissais autant. Ah, je pensais que t'aimais juste prétendre que t'étais un espion ou quoi que ce soit. Ah, je prends ça pour un compliment, hein. Enfin, bref, voilà. Donc, je vais rester ici pour le moment, hein. Ok, je sais pas, j'ai pas voulu escalader un volement. Ah, il y a toujours, finalement, les soldats de fortune, c'est toujours un vieux pari, hein. Mais bon. Reste là, et voilà. Ignore les objets. Ignore l'objet en dessous de la couverture. D'accord. Oui, oui, bien sûr, évidemment, oui. Je vais t'appeler. Oui, 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 oui. J'ai définitivement pas enquêté sur la chose bizarre que j'ai jamais vue avant, alors que je suis bloqué dans ce grenier avec rien d'autre à foutre. Il y a pas assez de données pour déterminer ce que c'est, hein. Ouais, je te laisserai savoir quand j'aurai trouvé. Joey, s'il te plaît. Toc. Ça. Allez. Ah ouais. Stop. Duel. Joey. Le. Tel. C'est. Vraiment. Ah ouais. Joey, tu peux rappeler ça? J'entends beaucoup de parasites. Le portal. Stop. Qu'est-ce que t'as dit? Portal? Portail, pardon. Par contre, là, il y a une montre dispo. Et hein, c'est vrai que... Vivez dans une maison qui a une main dans une jarre. Vous allez devoir porter ce savoir avec vous pour toujours. Une autre victime... Crowbarry. Je pense que c'est... Ce qui, il part en couille, hein. C'est quoi ça? L'écriture est à peine visible et il n'y a aucune adresse. Tu veux ça, go. Aussi peu d'informations que vous en aviez avant même regarder. Non, c'est vraiment pas ce genre de mystère. Hein. Le mystère ennuyeux, le genre de mystère ennuyeux. Donc tu dois constamment te référer à votre collection d'indices de mort pour du progrès. Tu détestes cela. Moi aussi j'aime pas les trucs à indices comme ça. Et au revoir. Alors, où vais-je?
Peut-être là, tiens. Alors, qu'est-ce que je dois faire, dis donc? Ah là là, vous... Enfin, vous pouvez pas vous empêcher de, clairement, de remarquer le drap qui est en train de voler, quoi. Même si vous pouvez, même si vous aimez les pouvoirs, quoi. Alors, c'est mieux quand même de voir ce qu'il y a dessous, avant que ça vous tombe sur la gueule. Je me suis barré. Alors, venez avec une idée de ce que c'est. Vous ne savez pas où, d'où ça vient, ou combien de temps ça fait, c'est là. Est-ce que Jude, c'est ce que c'est? C'est pour ça qu'il est envoyé dans le grenier? Non, 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 ça fait aucun sens. Est-ce que votre papounet sait? Ça a l'air quand même différent du truc qu'il ramène d'habitude, hein. C'est différent de votre esprit. À moins, vous, attendez, quoi, vous avez du mal à penser clair, à penser de manière limpide. Vous avez du mal à suivre votre fil de pensée. Comment? Combien de temps vous avez été resté là? Vous avez l'impression que vous devriez, d'une certaine façon. Comme si vous avez toujours eu besoin de le faire. C'est une situation difficile à décrire, hein, même pour vous. Mais qu'est-ce qui va à l'intérieur? Des bruits de clapons sur la porte et des grognements provenance de l'autre côté de cette porte. Vous avez même pas essayé de l'ouvrir. Ça ressemble un peu à la truc dont vous dans votre grenier que vous avez ramené, qui vous a amené ici. Le champ de force est il y a un petit qui apporte un peu de contraste. Est-ce que vous utilisez cette chose pour rentrer à la maison, s'il vous plaît? Alors, ça a pas exactement fait mal, mais c'était un peu... Enfin, ça chatouille un peu. On dirait que vous allez pas réussir à atteindre le portail. Donc le champ de force est en marche. Bah, même si ça fait probablement moins de 20 minutes, hein, clairement. Enfin, ça fait genre une vingtaine de minutes environ. Hein. En vrai, je pense que la vidéo va être un peu plus courte. Principalement parce que là on arrive à un nouvel endroit, enfin une nouvelle du jeu, et bah, pour le moment je considère que la partie humaine est finie, et je pense d'ailleurs que je vais peut-être arrêter de record pour aujourd'hui. Donc bah, j'espère en tout cas que ces quelques épisodes que j'ai tourné aujourd'hui étaient bien. Mais en tout cas pour moi c'était une sympathique expérience, en vrai, c'est sympa, vraiment la Life Swap c'est très bien. Donc je vous dis donc à la prochaine. Même si je pense que je suis pas sûr, je pourrais peut-être beaucoup enregistrer demain, donc les prochains trucs à enregistrer, ça va être l'acte 2.
Donc voilà quoi. Voilà voilà. Donc je vous dis salut.